aujourd'hui on va faire une vidéo que vous avez beaucoup aimée. Vous nous l'avez dit en commentaire. C'est le radeau qui coule en dernier gagne le challenge. Et ça sera une partie, ça sera la revanche de l'une d'entre nous deux. Mais si vous n'avez pas vu la première partie, n'hésitez pas à aller la voir avant cette vidéo. On vous met juste ici dans le petit i. Et après vous allez savoir c'est qui a gagné dans la première partie. Et après vous allez revenir ici et vous allez voir ça sera la revanche à qui. On a déjà acheté nos bouées, du coup on va vous les présenter et on va faire notre radeau. On va vous montrer comment on construit notre radeau. Allez. Voici toutes mes bouées. J'ai acheté un ballon Peppa Pig, une bouée ronde, une autre bouée ronde, une sucette géante et une grande piscine. Alors voici mes bouées, j'en ai acheté de plusieurs tailles. Alors il y en a une petite. Là il y a deux bouées pour mettre sur les bras, j'en ai encore acheté un deuxième paquet. Une bouée ronde, une autre bouée ronde, une petite piscine, encore une bouée ronde et une autre piscine. Alors voici, j'ai fini de gonfler ma première piscine. Alors on a décidé de gonfler tous nos bouées à l'intérieur parce que dehors il fait vraiment chaud. Alors comment on monte? T'as le droit d'avancer que des deux par deux. Même pas, on a en premier. Si on n'a pas bougé. On a qu'une seule pompe pour gonfler les bouées, du coup Amélia elle a commencé et après ça sera mon tour. Pour l'instant moi je suis en train de jouer avec Daniel, mais il est trop nul, du coup on va jouer au haut ou non, c'est mieux. Mais regarde, regarde. Non, elle dit on mange pas comme ça. Elle dit on mange comme ça. Non. Allez on mange. C'est pas comme ça. C'est oh, tu peux avancer que de deux carreaux avec lui. Un tour de gonfler. Voilà. Vous dire ma stratégie avant que Elina elle arrive. Alors j'ai compris que dans la première partie de ce challenge, fallait pas juste mettre beaucoup de bouées à la vue d'Elina parce que sinon elle va vite, elle va facilement les éclater. Alors là j'ai trouvé une technique, je vais prendre cette bouée ronde, je vais la mettre dans la petite piscine. C'est là où je serai assise et en plus je vais prendre trois petits bouées comme ça et je vais les mettre à l'intérieur. Au moins, Elina ne pourra pas les voir et j'en suis sûre de gagner vu que je serai assise dessus et elle ne pourra pas les éclater. Alors, je vais scotcher tout ça pour pas que ça tombe. Alors là, j'ai bien scotché. Cette piscine, je vais la mettre dans une plus grande piscine et je vais encore scotcher tout ça. Maintenant, cette piscine, je la mets dans une autre piscine. Ouh, je fais tomber. Tada. Et bien sûr, on scotche tout ça. Et où on scotche? Non, en fait, il y a trop d'espace sur le côté, donc je vais d'abord mettre des bouées. Ça serait mieux. Wow. Moi, alors, je suis sûre qu'il y a beaucoup de bouées, beaucoup de petits bouées où il ne pourra pas vraiment voir et pas vraiment éclater. Et bien sûr, cette construction, je vais la mettre dans une autre piscine. Voilà, j'ai fini. Regardez, j'ai bien scotché tout ça. Et pour qu'Elina ne voit pas ma petite construction, je vais retourner à la piscine. Je vais juste être au milieu. Voilà, j'ai gonflé tous mes bouées. Je viens de voir qu'Amélie a déjà construit son radeau, on dirait le mien.
Bah, celui de la dernière fois, dans la première partie. Voilà, du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Je pense que je vais faire comme dans la première partie parce que ça avait bien marché. Donc là, j'ai trois rondes, bouées rondes. Du coup, je vais en mettre une au milieu et les autres sur le côté. Elles sont plus petites. Ah non, elles rentrent pas, mais je pense que je vais les laisser comme ça. Après, j'ai un petit truc comme ça. Je vais les mettre juste au milieu. Hop là. Et après, la grande sucette par-dessus et c'est bon. Non, ça marche pas. Voilà, j'ai mis un ballon au milieu. Ça, c'est sûr qu'elle pourra pas toucher avec un outil parce qu'elle est au milieu et qu'on peut pas l'atteindre. Du coup, je suis sûre qu'au moins j'aurai une bouée à la fin où je pourrai m'asseoir dessus. Je scotche pour que ça tient bien et que ça part pas. Bon, j'ai scotché et j'ai mis dedans. Et par-dessus, j'arrête la sucette. Je vais faire comme ça, du coup, je vais plier un peu la bouée pour que le bâton y part et que je mette à l'intérieur. Et je vais scotcher comme ça. Voilà, mon radeau. Allez, on met tout ça dans l'eau. On va essayer de monter sans tomber, ça serait bien. Ok, le challenge commence. Ici, j'ai tous les outils qu'elles vont pouvoir utiliser pour trouer leur bateau. Alors, je vais en prendre deux au hasard. Alors, on va prendre ça et ça. Et je vais le mettre derrière mes mains. Alors, qui veut choisir entre droite et gauche en premier? Gauche. C'est toi? Tu laisses Amélie choisir gauche en premier? Non, Shifumi. Shifumi alors? Shifumi. 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 Ok, bah Amel, est-ce que tu restes sur la gauche? Non, droite. Droite, ok. Dans ma main droite, j'avais une fourchette et dans la gauche, j'avais une cuillère. Oh, j'ai de la chance! Allez, 3, 2, 1. C'est bon, t'as fait un trou. Ouais, j'ai fait un trou. Elle a fait un tout petit trou. Ah, il est tout petit ton trou. Mais en fait, j'avais une fourchette, c'était super temps. Fort. Hein. J'avais bien. En même temps, j'ai pas réussi. Bon, vas-y, viens, j'essaie. Vas-y, tu t'as qu'un seul coup. Hein. Un seul coup, c'est bon. C'est bon. Mais c'est un seul coup là. Ah karma. Karma. On n'arrive plus à tenir sur son radeau. Déjà. Il est bon, alors, vous êtes prêts? Attends, Aurélina, droite ou gauche? Droite. Voilà. Que ouais un tire-bouchon. Un tire-bouchon, là c'est et toi, bien tu peux piquant. Se frotter ou essayer de. Voilà, je sais, je vais faire comme ça. L'avantage pour mes cheveux d'abord. Mes longs cheveux bruns. Allez, viens, Amel. Je vais essayer de trouver les 3 mètres. Ok. Oh, j'ai pas réussi. Toi, arrête de continuer. Super. Ah, attends. Super. Bah non, c'est bon. Tu peux pas en faire. Super. La brosse, c'est vraiment pas. Et où le trou? Il est là. Non. Je peux le mettre mon doigt dedans. Ah, n'importe quoi. Allez, Amélie, enlève. Alors, vous êtes prête? Amélie, droite ou gauche? Droite. Amélie, elle fait un trou. Moi, je fais droite. Et c'est deux objets de piquant, mais la taille n'est pas pareille. Amélie, t'as le petit. Ah, t'as le petit. Et Elina, t'as vraiment le petit. Et les deux sont piquants, par contre. Ok, viens, Amélie. Ah, tu fais peur. Je vais essayer de viser dedans. Viens, approche-toi. Approche-toi. Si c'est pour éclater mon radeau, non. Mais arrête, en plus, elle continue. Et elle donne pas un coup. Bah si, j'ai fait un coup, mais j'ai juste enfoncé. Attendez. J'ai l'impression que je suis déjà en train de... Allez. C'est bon. Elle fait que tomber dessus. Elle a failli prendre le bord de la piscine. C'est bon, mais j'ai perdu, c'est... Ah, faut que j'essaie d'éclater le bonbon en haut, là.
J'ai vu toute ta construction, Elina. Ah, au tour d'Elina de choisir entre gauche et droite. Gauche. Eh ben, t'as de la chance, t'as eu un ciseau. Ouais. Et bon, Amélie a bon courage pour essayer de trouver quelque chose avec ça. Wow, si t'allais pas tomber dans l'eau, bien sûr. Bon, allez, à toi. On va voir éclater celui-ci. On va réussir. Léa, approche-toi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je m'approche. Approche-toi. De l'autre côté. Tourne. Je choisis. Mais fais ce que tu veux, hein. C'est mon radeau. Moi, je veux pas que tu éclates. Hein. Approche-toi. Hop, voilà. Je pouvais rien faire. Comment j'ai pris là? Bon, pour l'instant, je pense que c'est moi qui vais gagner. Hein. Non, regarde. Ta bouée est en train de partir aussi. Tu sais pas combien j'ai de bouée, moi. Et toi, tu sais combien j'ai de bouée? Ouais, 1, 2, 3 et 4. Non, j'en ai plus. 5. Non, encore. Voilà. 6. Ouais. Mais tu les as mal placés pour faire un beau radeau. Hein. Ok, nouveau round. Amélia, c'est à ton tour de choisir. Alors, tu choisis quoi entre la droite et la gauche? La droite. Tu as un cure-dent. Et Elina, elle a ça. C'est pour tailler les couteaux, je crois. Tailler les couteaux? Enfin, pour les rendre plus aiguisés. Bah, je sais pas comment je vais faire. Hein. Ok, allez. 3, 2, 1. Mais t'es sérieuse? Viens ici. T'as pas réussi, c'est bon. T'as pas réussi, c'est bon. Nul. C'est juste moi qui a bien choisi. Hein. Bon, pour l'instant, je vois que c'est Amélia qui a l'avantage, j'ai l'impression. Les pieds, là, Elina, on met pas les pieds, on sait pas, hein. Ouais. Bon, allez, droite ou gauche, Elina? Droite. Bah, t'as de la chance, t'as... Ah, ouais. Un truc pour couper les ongles, je crois. À couper ongles. Et Amélia, t'as un merci. Couteau. Mais... Bah, mais il est en plastique. Un couteau en plastique. Mais fais gaffe, hein. C'est la façon dont on utilise les armes. Tu peux très bien t'en sortir avec. Bien, Amélie. Je pense pas que je vais réussir. 4, 3, 2, 1. Mais non. Le couteau, il se plie. Voilà, trop dur. Bah, même ça, je peux même pas l'utiliser. Oh, bah, dommage. Et qu'est-ce qu'elle va faire, Elina? Attends. Qu'est-ce qu'elle fait? Attends. En fait, elle donne pas un coup. Elle appuie carrément. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh. Ah, on a attendu un petit coup. C'est bon, je crois que le coup est donné. Le coup! Voilà. Mais bon. J'étais en train de chercher des bouées cachées. Ok, pour l'instant, je retire ce que j'ai dit. Je dirais avantage pour Elina. Alors, Amélia, droite ou gauche? Droite. Alors, je dévoile d'abord ce que Elina est là, un stylo. Un stylo. Et Amélia, tu as j'ai... des ciseaux. Oh, let's go! Et j'ai déjà eu les ciseaux, moi. Ouais, bah autant d'Amélia. Alors, je vais éclater un truc en dessous de toi parce que sinon ça va pas le faire. Allez, 3, 2, 1. T'es sérieuse? Ça, c'est donc décoffler d'un coup. C'est ça d'avoir l'avantage d'avoir un bon choix. Bouge. C'est quand tu veux pour donner un coup. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire en fait? Elle donne pas des coups, hein. Elle appuie. C'est bon, j'ai fait un trou. Avec un stylo. Et j'ai pas fait un trou, j'ai senti trois trous. Trois trous, c'est tricheuse en fait. Elle appuie, elle a. Wow. J'enfonce d'un coup. Ben c'est un coup, ça s'appelle. Je fais un coup et après j'enfonce. Oh, j'ai de l'eau. Bon. Allez, on va passer aux choses sérieuses. Il y a certains objets, comme vous l'avez vu, qui retombent. Donc c'est autour d'Elina, droite ou gauche? Droite. Tiens. C'est un objet que Elina a eu et Amélia. Qu'Amélia a déjà eu. Ah ouais. Tiens, mais tu vas pas réussir. Attention. Lance. Hop. Tiens. Ah mais ça j'ai pas dégonflé encore. Okay. Mais elle a réussi, moi j'avais pas réussi. Parce qu'en fait Elina, toi tu donnes pas un coup. Tu t'essayes juste d'enfoncer l'objet. Je sais pas s'il me reste encore des bouts en fait. Regarde le trou que tu m'as fait. Tu vas l'agrandir si tu mets ton doigt. Oui, mais je vais au moins, mais ça va pas partir. Bon, je sens qu'on approche des derniers rounds. T'es prête, Amélia, pour choisir? Droite ouais. Ou gauche? Droite, comme d'habitude. Allez, hop.
Let's go. Je tire le bouchon. Et toi, tu gagnes une fourchette. Ah. Ça va, c'est assez équitable. Come on. Viens. Come here. Toi, viens. Je suis en train de tomber. Je suis en train de tomber. Attends. Et t'as une bouée, là. Mais arrête de forcer. Mais à chaque fois, j'arrive pas. Tu donnes juste... Ah, elle a même pas réussi. Elle a réussi. Elle a pas réussi. Non. T'as pas le droit pour un temps que je suis pas sur la bouée. Attends, je regarde s'il y a encore des bouées. J'ai plus de bouées. 1, 2, 3. Il lui en manque 3. Un 3 ? Ouais. Bah ils sont tous troués. Bon alors Valide, un nouveau round. Je vois que t'es un peu mal hein. Je pense que ça sent la fin pour toi. Allez, droite ou gauche, en espérant que tu réussisses. Droite. Et bah t'as de la chance. Ouais. Je pense que ça marche bien. Moi, et toi t'as un cure-dent. Je crois que tu l'as déjà eu tout à l'heure. Ouais. Bah tu sais comment l'utiliser. Viens, accroche-toi. Attends, moi je fais un... Non, moi je fais d'abord s'il te plaît. Vas-y. Je sais pas. J'ai pas réussi. Mais tu fais quoi? J'ai pas réussi, c'est trop nul. Trop nul. Je vais tomber. Allez, nouveau round. Amel, droite ou gauche? Comme d'habitude, droite. Oh là là, je veux pas changer. Oh, très bien. Gauche, ça va. Ah ouais, moi aussi, ça va. Ça sort bien. Ça va. Oh, Amel, viens. Là, il y a un ballon. Amel, viens. Peppa Pig. Jamais regardé ça. Enlève. Attends. Je suis en train de tomber. Ah, j'arrive pas. Enlève. Elle est en train de couler. À moi. Mais frère, je l'ai trouvé ça aussi, ce qu'il y a dedans. On m'a mis ça combien? Je t'ai dit, tu sais pas combien j'ai de ballons. Oui. Est-ce que je peux trouver d'en bas? Non. Ça veut dire que je peux percer des fesses? Ah oui. Oh, non mais non, je veux garder mes fesses. Ah, les fesses. Stop, je l'ai fait par en bas, mais je l'ai fait. Je l'ai fait par en bas. Imagine, j'aurais perdu mes fesses aujourd'hui, ça va pas. Non, j'ai fait attention. Là, c'est bon, t'as ta bouée, elle est trouée. Mais attends, je vais compter combien t'as de bouées. Get out. Un. Dégage. Ouah, l'eau qui rentre. Mais attends, il te reste une bouée en fait. Et ouais. Je pensais que je l'avais éclaté, mais il y a deux bouées. Ok, ben Elina, gare à tout. Hein. Elle ressemble plus à grand chose sans radeau, Elina. Si. Tu t'as encore perdu. Allez, nouveau round d'Elina, tu choisis quoi? La gauche. Oh, bien joué. Ouais. T'as quelque chose de piquant et Amélie, bon courage. Je sais pas. Attention. Ouais. Il y a une abeille. Bravo, bravo, bravo. Ah, il est tombé. Attendez, on va te le donner. Daniel, va sous l'eau, s'il te plaît. Yeah. Allez. Et le couteau en plastique. Oh, ça a failli le faire. Ça va. Oui, tiens. Par derrière. Par en dessous. Par en dessous, pardon. C'est bon. Oh, j'ai déjà entendu un truc. J'ai déjà... Tricheuse. De toute façon, tu vas pas réussir à me faire couler parce que toi, tu vas bientôt couler. Mais toi aussi, regarde. Là, arrête. Ah, il y en a un en tout effet. Mais je... T'en as fait combien? Michel Kors. Allez, nouveau round. Allez, nouveau round, droite ou gauche, Amel? Droite. Oh, c'est vrai qu'elle change jamais. Elle. Une fourchette et toi, le tire-bouchon. Merci. Attends, je peux le faire d'abord parce que je sais que je vais perdre. Je vais... Quand il faut gagner, il faut gagner. Ok, viens maintenant, à ton tour. Attention. Par derrière, fais attention, mais... Okay. Il est là! Ok! Stop, arrête! J'ai coupé, j'ai mis un rien! J'ai perdu, c'est bon! Nul! J'ai tout éclaté. Bah attends, faut que d'abord que ça se coule! Mais non, c'est bon, mais là c'est bon! De toute façon, j'ai gagné! J'ai encore gagné! Daniel! J'ai encore gagné! Attends, mais il y a ça que t'as pas trouvé! Si, si, je l'ai trouvé! Ah si? Ina, tu veux voir, il me reste combien de bouées? Attends. Quoi? Tu veux voir combien il me reste de bouées? Oui, vas-y. Le poil!
Ah, c'est bon. Tourne, allez. T'en as mis vraiment 50. Regarde. Wesh. Alors, t'as pas éclaté ça. T'as pas éclaté. Et tout ça. Ça. Il y a encore une autre. T'es tricheuse. Là, regarde. En fait, je suis une tricheuse. Non, c'est juste que j'ai fait un stratège. N'importe quoi, tricheuse. Je suis trop forte. Qui a encore gagné? C'est moi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ben, j'avais demandé une revanche. J'avais demandé une revanche et au final, j'ai perdu quand même ma revanche. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo, vous êtes amusés. Nous, on s'est amusés ben, beaucoup, même si j'ai perdu. Voilà, on fait des gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao.